Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la Playroom sur un nouvel épisode de Chroma Squad. Donc, alors, on avait fini l'épisode, on avait gagné une lettre, enfin on avait reçu une lettre. Théa qui a emmené vos robots géants ailleurs. Cher responsable de Mighty Morphin Playroom, je représente le voisinage, le groupe de voisinage de la forêt du sud, du bois du sud. Vous devez arrêter d'enregistrer vos combats de playmec dans notre voisinage. Pourquoi ils se passent toujours au même endroit? Vous avez marché dans ma maison tellement de fois déjà que j'ai fini par... qu'à chaque fois que je finis de réparer, vous faites en sorte de la taper avec un tir de laser ou un pied géant. Une botte géante. On sauve la ville pour la détruire. On détruit la ville pour mieux la sauver. Désolé, on va aller ailleurs. Ça sent. Ah bah tant mieux alors. Pas de problème, continue à enregistrer. Vous pouvez avoir ces matériaux de construction que je viens d'avoir. Je n'ai plus avoir besoin d'eux. Du métal et de la gold tape. Pourquoi pas. Shop, on a rien de nouveau. Marketing, ça change pas pour l'instant. Crafting, on n'a pas de nouveauté non plus. On a rien de nouveau. Bon bah écoutez, on va enregistrer un épisode alors. À peu près de même qualité. Alors, on va partir là-dessus. Talk show, no show. Bonus Ranger ont été invités à une interview sur le talk show de Rachel Laser. Tout le monde était vraiment excité à propos de ça. Mais ils ont même une idée encore plus ambitieuse. Mais est-ce que c'est vraiment comme ça que les héros agissent? Donc, partie 1 sur 1. Battre, taper le boss à tous les tours. Battre tous les minions. Pourquoi pas? Bon, on va là-dessus, donc il y a un guest et un combat de mecha. C'est parti. Alors. C'est un jour comme les autres à la Mighty Morphin Playroom, jusqu'à ce que Pinky est venu avec de grandes nouvelles. Arriva avec de grandes nouvelles. Alors. Tout le monde, bonne nouvelle! Fais pas tant de suspense, Pinky. C'est très bien, je suis anxieux. Est-ce que vous connaissez, cette fameuse fille de talk show, Rachel Laser? On a juste reçu on vient juste de recevoir une invitation pour être interviewé par elle ce soir. Waouh, c'est génial! J'adore ses recettes. On va être tellement connu, tellement famous. On n'aurait pas pensé à la célébrité. Ça pourrait être une opportunité surtout de battre le Seigneur Gaga. Tu as raison, Témi. Je suis sûr qu'on peut modifier notre booster d'audience pour utiliser son propre signal à elle. La force de son propre signal. Avec autant de fan power, on pourrait fermer les portails du Seigneur Gaga pour de bon. Trop cool! Je me demande si Rachel Laser va nous permettre de le faire. Peut-être qu'on pourrait s'introduire dedans un peu plus tôt pour l'installer. On a besoin de la permission si personne nous voit. Rendez-vous au plateau de Rachel Laser. Utilisons le téléporteur pour rentrer à l'intérieur. Pip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 
Quand tout semblait se passer de... comme prévu, un son vraiment bizarre a été entendu sur le plateau. C'était un son étrange et vraiment irritant. Quelque chose de répétitif et d'extrêmement joyeux, mais ennuyeux, mais embêtant. Enfin, mais chiant à entendre. C'est quoi ce bruit? Peut-être que c'est leur alarme? Ça a pas de sens, ce son me rend malade. Le son sembla disparaître pour un temps, et soudainement... Regardez! Le rideau a bougé! Et juste quand le rideau fut totalement ouvert... Raptor Jésus! Qui es-tu? Est-ce que c'était toi qui faisais ce son horrible? Je pensais que vous adoriez ça. Je peux le faire encore et encore si vous voulez. Mon nom est Barney. Je suis le cascadeur qui fait les dinosaures colorés. Mais juste pour cette nuit, l'amusement, ce sera vous. Oh. Ah, il y a quand même des rhinos. Si on prend trop longtemps, on va être chopé. T'as raison, Yellow. On doit s'occuper de ces monstres aussi vite que possible. Ce que je vais faire, c'est que je vais emmener elle ici. Power bonus. Voilà. Est-ce que combien je touche là? Ah, j'en touche que deux. Fais chier. Multishot. Voilà. On va aller taper celui-là qui est le plus loin en fait. Parfait. Trample! Boom! Hop! Eagle Lasso! Voilà! Alors, elle fait combien de dégâts avec ça? 140, 160? Il y a une fichette PV, c'est bon. Parfait! Oh la vache, elle a attaqué qu'une seule fois! Je peux le faire aussi! Oh, elle a stunt! Boum, ça prendra, toi, t'as rien compris, toi! Bah toi aussi, bim. What? Ah, sympa. J'aime ce boss. Ok, ça c'est fait. Boum. Et boum! Alors. C'est parti! Dragon Sword! Wouhou! Oh le coup de shotgun! What? Ah non, je vais aller taper les minions! Vache, ça pas suffit. Je vais envoyer Blue ici. Je peux passer à Black, parfait. Je passe là. Ah mince, il va toucher. Ah vas-y, touche. Square House Kick. Ah, ça n'a pas tué tout le monde. Intéressant. Ça l'a pas touché du tout là par contre. Multishot. Ça l'a pas tué. Allez, vas-y, touche! Ça y est, c'est Pinky qui l'a achevé, quoi, what? Maintenant, vous allez me voir dehors! Je ferai en sorte de marcher sur ce building et de...
Hope of fame. Ah oui, et d'écraser tous vos espoirs de célébrité. Dépêchons-nous. Au playmake. Je suis avec vous. Oula. Playmake activation. Comment ça, elle est avec nous? Oh, j'y ai cru l'espace d'un instant. J'ai cru qu'il allait se passer un truc. Alors, on a quoi? Wonderwall. Intéressant. Et oui, on a plus le bazooka à la fin. On tente. Ça passe. Boum. Bon, je vois pas une vraie véritable amélioration, hein, pour être tout à fait franc. Raté. J'aurais dû faire une... J'ai tenté le coup jusqu'au bout. Défense. Par contre, ça va être nul s'il se rhabille et déshabille à chaque fois. Le lézard pervers. Hop là. Boum. Boum. Et boum. Encore. Il en demande. Oh. Comment on a pu rater ça? Raté. J'aurais même pas une ratinure. Encore raté. Et bim. Et bim. Et bim. Et bim, te dis-je. Et bim. Raté. Dommage. J'aurais tenté jusqu'au bout. Raté. 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 Boum. 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 Et boum. Et bam. Prends ça dans le nez. Ça aussi. Et ça. Et encore ça. Raté. T'as de la chance. Raté. Raté. Et juste pour la fin, on va se prendre un coup. Ah. Bim. Bim. Oh, raté. Ah, zut, j'étais mauvais, j'ai trop anticipé. Voilà, ça c'est un peu mieux. Voilà, ça c'est bien. Bim. Bim. Bouffe ça. La vache. J'attends. Elle est passée, chers amis. Elle est passée. Oh putain, on est trop bon. On est trop bon. Plus tard cette journée-là. Nos héros ont apprécié quelques cupcakes de la victoire au stand de hot dog. Ça aurait pu être pire. Au moins on a pu en foutre un pain à un monstre de Sinergaga. Enfin, on a pu renvoyer un monstre de Sinergaga là d'où il venait, quoi. Et on n'a rien fait de mal. J'étais tellement mal à propos de ça. Combien de temps vous allez vous pensez qu'il a, que ça va prendre pour réparer le studio de Rachel Laser? n'aie pas trop d'espoir, je pense pas qu'on soit invité de sitôt. J'imagine qu'on est les héros dont ils ont... J'imagine qu'on est les héros qu'ils méritent, mais pas ceux qu'ils ont, mais pas ceux qu'ils ont, dont ils ont besoin maintenant. C'est la phrase de Batman.
Parfait. On va se faire encore une belle quantité d'argent. Et une quantité de fans juste sympathique. Parfait. Je sens que Green a un petit coup de foudre pour Temi. Doge Krugr approuve cet épisode. Est-ce que c'est déjà dit que les Bonus Rangers sont un super show indépendant et qu'ils sont grandement, enfin, qui nous inspirent vraiment. Mon boulot, mon job, à mon boulot demain, ce sera de raconter à tout le monde ce qui s'est passé, de parler à tout le monde des Bonus Rangers, si tu veux. Ici, on a quelque chose. On a strictement rien. Au niveau de l'armement, on a strictement rien de nouveau non plus. Crafting, on a des nouveautés. Non. Non. Je vérifie quand même. Hein. Au niveau du mecha, est-ce qu'on peut passer à autre chose? Apparemment, on a des choses un peu mieux par endroit. Donc là, on a le maximum. On va prendre les Wonder Boots. On va prendre un peu plus de défense, tout simplement. On va partir là-dessus. Bon, c'est déjà ça de prix. Bon bah écoutez les amis, on va se laisser là, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la pouce vériser, la commenter, la partager, vous abonner, rejoindre dans le groupe Steam, joueur de la Playroom, on peut retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom, à plus pour d'autres aventures, salut les gens.